Salut à tous et bienvenue à la dernière édition de la revue de la Une des journaux de cette semaine que nous démarrons avec le quotidien Le Béninois Libéré qui évoque à sa une. J'ai un meeting demain à Glasgow. Gilles Rundolo mobilise la 10e circonscription pour Talon. Le Béninois Libéré revient sur la visite du chef de l'État en Norvège et rapporte Talon fait une remarquable intervention à la tribune. Le Monde aujourd'hui titre « Engagement politique et forte mobilisation pour le bloc progressiste, Magloire à Gossou, un soutien de grande taille pour Talon à Dogbo, Lalo et Toviklin. » Un autre titre pour ce même journal « Animation politique dans la 13e circonscription électorale, Daouda Takpara rejoint le bloc progressiste pour une victoire triomphale. » Nous sommes avec le quotidien Le Combattant qui met en manchette une amitié de près de 45 ans en fumée, Marcel de Souza et Yahi dans un duel à mort. Toujours dans le même quotidien, animation de la vie politique au Bénin, Claudine Pludin sur Tundo à Talon. Le quotidien L'Audace Info revient sur affaire Kaovi et titre. 13 ans déjà après l'assassinat du premier président de la Cour d'appel de Parakou, l'âme du juge Séverin Kaovi réclame justice. En tout cas, c'est L'Audace Info qui le dit. Nous poursuivons avec le quotidien Les Quatre Vérités qui rapporte distribution gratuite de cartes d'identité dès le 1er janvier 2019. Talon prend une décision de haute portée sociale. Le chef de l'État fait avancer le volet social du PAG. Allez toujours dans les colonnes du même journal, réforme du système partisan. Le bloc républicain en congrès le 25 novembre. Le quotidien Les Quatre Vérités cède sa place au quotidien Le Matin qui tire. Mise en œuvre effectif du projet H au Bénin, Talon pense à toutes les couches sociales sans exclusion. Concert apothéose du 60e anniversaire de la bière, la béninoise, la Sobebra offre un instant de bonheur aux Cotonois, affirme Le Matin. Le quotidien La Nouvelle Génération dans sa livraison de ce jour, titre « Réforme du système partisan béninois, Talon repositionne politiquement le Bénin en Afrique et dans le monde. » Allez toujours dans le même journal, 8e sommet nordique et africain des affaires en Norvège, Talon convainc les investisseurs qui ne tarderont pas à venir au Bénin. Le président béninois sort la grande artillerie de fin négociateur. Nous sommes à présent avec le quotidien Le Potentiel qui met en manchette confession gratuite de carte d'identité biométrique à 350 000 personnes. Talon soulage des Béninois touchés par la pauvreté chronique. Nous poursuivons avec le journal Le Quotidien qui évoque à sa une. Sommet nordique africain des affaires, Patrice Talon se distingue par la pertinence de son intervention. À lire à la page 10. Nous sommes à présent avec le Nouvel Observateur qui met en manchette auto-saisi du dossier Métoyon par la criette, la justice de plus en plus mise à l'épreuve sous la rupture. C'est le tour du quotidien Le Confrère de la matinée qui met en manchette audience public pour l'étude du budget à l'Assemblée nationale, la société civile appelle à un contrôle réel de l'action gouvernementale. Le Confrère de la matinée cède sa place au journal Nord-Sud qui titre « Crise de succession à la mairie de Cotonou, la mouvance présidentielle se plante ». Et c'est tout pour la revue de la Une de ce matin. Merci de votre aimable attention et à la semaine prochaine pour d'autres informations.